l'été, non. Et après que le président Jovenel Moïse dit que le constaté le Parlement caduque, eh bien, Diakouti chargé et projet, il parlait de 100 nouvelles constitutions, réalisation, élections. Bien évidemment, il doit commencer par formation et un gouvernement d'union nationale. Et tout ça, année ça avait fait au 2021. Et parallèlement, nous voyons que l'insécurité a la paix et continuer dans le pays, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est là-bas la plus difficile. Cas de kidnapping, et plusieurs cas de kidnapping, situation là, ça là depuis novembre. Il y a un homme d'affaires, c'est Clifford Dubois, que famille, que la police s'est retrouvée et cadavre dans la commune Carrefour. Vendredi dernier, tôt dans la matinée, après que Negaxam t'a fini kidnappé Delma 27 dans l'entreprise Lee du Bois Shopping Center. Et week-end ça, Negaxamio t'a sous Brésigno. Et c'est le cas de le dire, nous assister à un nouvel épisode de violence dans zone bicentenaire. Mes tableaux à mesdames et messieurs. Pour commenter l'actualité, nous faisons appel à avocat, ancien député, ancien sénateur, actuel président du conseil de direction de FJKL Fondation Angers Éclairé, Maître Samuel Madistin qui est dans le studio à la AVEM. Et Maître Madistin, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tout auditeur, toute auditrice et Radiovision de Milieu. C'est un plaisir pour moi avec Madame. Mais c'est qu'on y a réalisé que c'est la première fois que vous émission dans le studio Vision de Milieu. Absolument. Nous toujours au téléphone. Bien content parce que le téléphone il fait nous des misères. Et certaines fois nous allons le faire et passer plus d'une petite heure et ensemble en espérant que vous portez des réponses à des questions que en pile monde a posé depuis la décision en prise par le chef de l'État lundi 13 janvier 2020, ça aurait le deuxième lundi et mois janvier et non constitution président dit li est constaté caducité et parlement. Nous sommes présentés au tableau et situation qui j'en lié, mais ça président est voulait faire et pendant année et 2020 soit ouais. Bon, moi puis bagage. ouais, mais président plein. Oui. Comme t'as dit d'abord que moi-même c'est fait partie des parlementaires qui vivent première fois comme président déclarer que le constater caducité en Parlement. Le président Aristide prend pouvoir en 1991, après l'élection en 1990, des jeunes députés, plus jeunes députés d'ailleurs, de la 45e législature, des députés Lesterne à l'époque-là, nous rentrons la Chambre, deuxième lundi de janvier 1991. Le président Aristide prend un coup d'État, il fait 3 ans en exil, il retournait en juin 1994. Il était doué faire des élections en principe pour renouveler le Parlement, Chambre des députés A et deux tiers tôt le ça, Sénat déjà, en novembre 1994, pour nous rentrer la Chambre non. Retournait dans la législature en 95, en janvier 95. Donc, évidemment, le Valguetta, il est entré en juin. Donc, il n'y a pas de fait élection. Élection pour être faite en août 1995, deuxième tour, je crois, en septembre. Je suis élu premier sénateur de la Tibonite, laisse ça renouveler deux tiers dans le Sénat. Donc, moi-même, je suis élu pour 6 ans. Mon qui devine après maintenant, il y a un paix épiscopal, c'est un McDonald's, Jean, je suis allé élu pour 4 ans. Donc, on s'est dans tout le débat de maillot. Et nous, on va rentrer dans le Parlement en octobre 1995. Mm-hmm. On est rentré
évidemment, c'était bataille. Est-ce que pour le président Aristide fait 3 ans, ou bien est-ce que il était toujours considéré comme président pour faire élection? Ouais. Et un peu contraint, mais il fait élection en décembre, n'est-ce pas, 1995, pourquoi 17 décembre, président Breval va l'élu. Président Breval va l'élu, il va le monter sous pouvoir en février 1995. En 97, ils font élection pour tirer un Sénat, et puis seulement 5% de la population a participé. Élection pas de bon gars, et bon, il y a deux mondiaux déclarés qui sont élus quand même, songez. Pour El Célestin dans le sud-est, et ils vont feuiller dans le sud, et puis le Sénat va quitter ou rentrer en fonction. Et deuxième tour d'élection va jamais être faite, donc le Sénat va renouveler. Pour faire élection en 1998 déjà, et puis l'élection va faire tout. Le 11 janvier 1999, président René Breval, donc discours fait dans le palais national dans la soirée, a déclaré que le constater la caducité du Parlement avec, n'est-ce pas, le départ de l'ensemble de la Chambre des députés et 2/3 du Sénat. Et moi, le rété dans 1/3 qui était là. Donc, moi, qu'on va y ça bien. Ouais. Donc, moi, le vivre en premier, moi-même, t'as qu'à dire. Ouais. Donc, c'est des barrages qui rivaient déjà dans la pratique politique, non? Parce que ça privait en fait, c'est que nous pas jamais une régularité vraie dans l'organisation des élections avec Constitution 1987 là. Et à chaque fois, on prend le trou, on prend le créer entre temps constitutionnel, les pour faire élection, hein, et temps électoral dans les dates électorales pour le faire. Toujours pour le on écart. Élection par exemple faite normalement. Et peut-être que ces débats, Hélène a réfléchi sur la Constitution, pour a réfléchi sur eux, que débat nous a besoin des dates tellement fixes pour l'organisation des élections au niveau de, n'est-ce pas, de la Constitution, donc à quitter la loi électorale là pour résoudre le problème. Ça. Donc, moi-même, des vues par ça, ouais. Donc, là, qu'on y a, dans des présidents Jovenel, dans des débats qu'a fait, yo. Donc, en plus de un monde qui a regardé, qui a attendu, qui a observé cette situation, même si on est acteur, on va aller comme ça, on a dit une compréhension assez large. Et ou pas accepter décision et président Prévala ou te mettre question par devant la justice, justement. Non, c'est pas ça. Peut-être que m'a tourné sur ça. Non, n'a parce que là par contre décision par la justice là parce que une intégrité là. Voilà la justice là après. OK. M'a explique au lit sur. OK, donc président tout à l'heure. Question non, merci pour correction et n'a bien temps. Et pour ça justement et président et Jovenel Moïse discours il fait et lundi dernier pendant la journal a annoncé que il va prononcer sur question après ces deux fameux tweets effectivement et il fait un point de presse il justifier et décision l'homme dit décision mais le président dit c'est un constat il a répondu décision le point et puis il dit ben bon c'est pas pour la première fois ça arrivait plusieurs fois et puis il et cité président Préval, ça a été passé à justement 11 janvier 1990. 11 janvier 1999, et puis où. Est-ce que situation ça qui est arrivé là, avec ça qui est arrivé en 1999 là, est-ce que c'est similaire véritablement? Et. Alors, tu me dis d'abord, président en décision, le voit. Peut-être que forme n'est pas capable de critiquer, mais il prend une décision. Il est tellement prend une décision. Il n'est pas même temps gouvernement réuni pour faire un conseil des ministres, pour dire qui ça va faire avec l'argent qui est dans le budget parlement. Lui qui a annoncé le va faire 10 lycées avec comme ça. Oui, ça veut dire que il prend plus que décision, même il prend plusieurs décisions. Il prend une décision, n'est pas sénateur encore. Il prend une décision, comme il a payé. Li affecté ou le désaffecté ou mes côtés ou aller qu'on y a. Ou elle prend une décision quand même. Les décisions, c'est constat, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Il prend une décision.
il prend une décision, il voulait la police empêcher de rentrer dans le Parlement. Vous comprenez? Il prend des décisions. Je ne voulais pas faire porte-parole et la présidence, mais capable de dire, sous base constat, il prend une décision après. Mais le constat, c'est une décision. Mais le constat en soi, c'est une décision. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et s'il va constater, la petite belle, elle est constat. Vous comprenez? Bon, il constate son décision, le prend. Parce que ça, son mensonge et son irresponsabilité, d'accord. Mais au point de décision, on prend, le voit sumel. Vous comprenez? Mais c'est prendre décision. Ouais. Mais son formule consacrée, tout l'autre monde qui te prend avant, et ça va toujours dire. Alors, premier, pour qu'il prenne là, c'est ça le dédit. Dédit, c'est lui constater. Constater la caducité. Mais le connaît, le dit le constater, là. Quand le président constate, automatiquement, dans la pratique, il mettait fin à mandat qu'elle te gagne, qu'elle te finit, qu'elle pas te finit. Que décision t'es bon ou pas, son décision liée. Automatiquement, même si on conteste, tout autant pas joindre, c'est le parallélisme des formes. Tout autant pas joindre autorité qui rentrait décision, président, on pas qu'à retourner exercer mandat, vous comprenez? Donc, son décision qui est liée, qui est conséquence liée. Ouais, il est clair que même l'on dit constaté, son décision de l'exécutif, son décision politique, n'est-ce pas, et qui ont un impact politique. Et pour, n'est-ce pas, les gens qui comptent décision, pour ce politique, c'est rapport de force. Pour contester décision, il faut qu'ils aient une force supérieure à sa présidente Féa qui vous renverse. Que ce soit régulièrement au niveau de la justice, au niveau de l'institution qui compète pour ça, ou bien au niveau populaire. Parce que tu as le droit de faire président pour une décision en tout. Si moun ki il veut y aller, tu as qu'à mobiliser la population, président, tu as capable de contestation populaire qui montre que la décision ça n'est pas d'accord avec le président, tu as capable de retourner sur lui. Et tu as dit que c'est constat que le fait. Donc, il y a un impact plus négatif que ça a supposé sous avenir pays à sous marche pays à donc la fait back, vous comprenez? Donc mais tant qu'on pas gain ça ou pas gain soit une décision qui rentre décision président ou bien une contestation portée président fait marche arrière décision là à pas appliquer on garder réaction au niveau du Sénat et gagner un groupe de sénateurs qui dans un premier temps intenté et ou action et en justice contre président Jovenel Moïse Galot Muntou même si tu es président Jovenel Moïse je crois que ancien député Jude Charles Faustin et chef et parti et PHC Kato même voulait et nous était sous le président Jovenel Moïse et gagné ou plainte que porter auprès de l'actuel et conseil électoral provisoire et attendre que l'idée le mot du droit et tout recours ça qui ça capable aboutir. OK. Tant pour premièrement recours devant conseil électoral là. Alors ça va on y pas comprendre. Ouais mais le type de bail ça arrivé, yo aidé oui. On yo aidé pour garder texte yo, pour garder ses blessures, pour améliorer yo, vous comprenez? Si vraiment nous faire réflexion pour nous faire. Ça, mon bajan, me comprendre, c'est que le conseil électoral, c'est pour un tribunal, tant que la cour de cassation, tant que la cour des comptes, comme si qu'il a, et puis qui, en tout temps, de manière permanente, qu'il a, et l'a jugé, l'a pris des décisions. C'est pas comme ça, non. Le premier problème dans la décision à l'écoute devant le conseil, là, je pense que sénateur ou pas par peut-être consulter des gens qui maîtrisaient le contentieux électoral. Ce conseil électoral là, comme conseil, neuf mieux, il n'y a pas qu'à réunir pour prendre une décision juridictionnelle là. C'est, il y a organisé, il y a les organes contentieux du conseil. Les gens contentieux. Qui portait sur des questions électorales ou bien des lois électorales, pour le conseil la prononcer, c'est à travers ses organes. Le conseil a trois organes. Il y a le BCEC, il y a le BCED, il y a le BCEN. Donc, contentieux électoral au niveau communal, contentieux électoral au niveau départemental,
contentieux électoral au niveau national. Et même gros côté dans la loi, vous permettre que même conseil là comme institution qui a introduit action devant ces organes contentieux. Pour vous dire que le conseil comme institution n'est pas lui-même capable de réunir et trancher. J'aime dire mon abdia, nous votons les requêtes, mais le conseil là n'a pas de trancher. Il n'est pas capable, non? C'est-à-dire que faut que là devant, sous contestation faite, faut aller devant organes contentieux. Maintenant, pour aller devant organes contentieux, il faut qu'on qualité. C'est deux qualités, ou bien trois, que loi permet que le monde aille devant organes contentieux. Première qualité, c'est électeur. Si vous voulez que vous contestez candidature au monde, par exemple. Donc, il faut établir son électeur. Deuxièmement, soit contester une élection, un candidat, contestons l'autre, faut son candidat. Un candidat. Loi électorale là, pas prévoit qu'un sénateur, un député qui est élu, qui en fonction et une intervention qui fait sous durée mandat et qui cesse exercice mandat. Ce député ou bien cet ancien député, cet ancien sénateur n'a pas qualité pour s'adresser à un organe contentieux du conseil. Pas que ça. Il n'a pas une qualité pour ça. Il n'est pas capable. Et pas qu'on texte tout dans la loi, dans le décret électoral là, qui dit que le conseil là, il est là pour faire l'interprétation de la loi électorale à tout instant et que si un député ou un sénateur a un problème, pour qu'il vienne devant. Donc, il faut les compétences dans le conseil. De côté, les gens qui viennent devant le conseil, ils n'ont pas de qualité pour venir. Ils ont dit qui est qui a venu. Ils n'ont pas dit eux, mais ils vont mettre dans la catégorie qui a venu. Et de côté, type de problème qui a venu poser devant le conseil, là, la loi n'a pas dit que le conseil a des compétences pour le penser sur lui. Donc, il y a deux problèmes. Et sur le plan plus général, il y a un troisième problème. Ça y a fait, il semblait en pile à ce qu'on appelle en droit une action populariste. C'est-à-dire qu'on action pour défendre des intérêts collectifs. Enfin, le tribunal en Haïti peut mettre ça. C'est-à-dire que ça me l'est dit. Supposez que moi-même, de manière individuelle, je suis sénateur la Thibonite, je coupe mon dame pour une raison donnée. Mais intérêt pam, qu'a porté devant une institution, devant un organe, devant un tribunal. Je ne suis pas capable pour même de parler de mon tribunal là et puis me dire, n'est-ce qui dans l'ouest là, n'est-ce qui dans le Niplan, n'est-ce qui dans le sud-est là, qui c'est chaque problème séparé, vous comprenez? Mm-hmm. Et puis, nous avons fait un bagage collectif pour aller devant une institution. Mais même si il y a le même problème, non? Il n'y a pas le même problème parce que l'aime élu, la Thibonite, il n'y a pas élu dans le sud-est. Mm-hmm. Mais c'est pas même question, c'est question mandat. Oui, mais mandat, il n'est pas un mandat collectif, c'est un mandat individuel. Mm-hmm. Chaque sénateur a un mandat. Parce que si je vais l'établir, mandat PAM, bon, je vais m'établir, je n'ai qu'à m'établir mandat là, l'Ouest là, bon, je vais l'établir. Même là, c'est un mandat pour le Sénat, mais nous, chaque individuellement, un mandat. Ouais, donc, pour moi-même, il n'y a pas qu'à faire action collective, ouais, qui sont troisième problème. Ouais. Donc, sur le plan. Mais ça, on le dit à la tour. Même action individuelle, là, qui t'a posé problème. Oui, pas d'abord. Parce qu'elle pas de problème qualité, elle t'a posé d'abord. Mm-hmm. Ouais, bah, là, et puis, problème compétence, là. Vous comprenez? Mm-hmm. Et puis, prend troisième, ça. Qui c'est un bagage qui plus pas concerné seulement qui sont électorales là, mais un bagage plus global en matière et contentieuse. Ouais. Donc, pour moi-même, ça va me le dire, ça me dit, ça pas le fait, non? Mm. Mais opinion, pam! Conseil électoral là, va résoudre le problème de vos éléments là. Opinion, pas moi, c'est que nous devons une situation qui montrait l'insuffisance du décret électoral. Des insuffisances graves. Par exemple, ça a dit de vous conseiller. Et ce qu'on va être tellement grave, tellement grave. Comment t'as gravé, madame Gaudon, pour aller en élection, pour une élection, c'est 4 ans après que nous avons posé problème. Est-ce que le mandat a fini dans 4 ans, dans 6 ans? C'est un problème qui est posé dans la loi.
qui ça le pose, qui pose le poser. C'est ce qu'on appelle la loi n'est pas claire. Le problème de clarté. Le problème de clarté, pour une loi claire, on répond à la question de la prévisibilité. C'est-à-dire que tout le monde s'attend, et c'est clair pour tout le monde, que loi ça, mais ça le prévoit. Si telle circonstance arrivait, mais ça doit faire. C'est ça la prévisibilité. C'est comme la radio là, mon Dieu, tout bas on dit nos calottes, on prend 3 ans de prison. Texte l'a dit, loi a dit, eh bien, coup au visage et mal 3 ans. Ça veut dire tout le monde connaît si on nomme tout bas on dit notre calotte ou 43 ans de prison. C'est clair. Donc, qu'est-ce arrivé là? Ouais, vous venez de thèse. Et bien mon troisième qui n'est pas évoqué, qui est la thèse la plus importante, qui n'a qu'à question de mandat. De côté, il y a des gens qui disent mandat sénateur n'est pas confiné. Comment? Et il y a des arguments pour dire ça. Et ces arguments sont valables. De l'autre côté, il y a des gens qui disent mandat est fini. Il y a des arguments pour ça. Et ces arguments, quoi contradictoires, sont aussi valables. Donc, texte là pas clair, donc ça va lever sur le président. Oui. Le fait que nous situation ou en contradiction et que y a une thèse qui est défendable, mais qui n'est pas imposée, c'est-à-dire pas convaincante, valable, mais dit convaincante, non. C'est-à-dire thèse qui est valable, il n'est pas convaincante. Parce qu'il n'y a aucune thèse convaincante. Ouais, qui est capable d'exposer devant tout le monde dit non, c'est ça, pas que l'autre. Pas que ça. Lui a pas une thèse convaincante. Ça pourrait le faire ça. C'est pas que cette loi pas claire. Ça pourrait le faire ça. Donc, gagner, ça, sort dans la loi électorale là, on forme des cohérences. On a une cohérence interne. C'est-à-dire que, un, texte là dit où, mais qui j'aime présenter vacances en poste sénatorial. Il dit, faut que mon nom décédé, faut que mon nom ait incapacité ou bien démissionné. Autrement dit, vacances au niveau du Sénat, son sénateur qui est élu, par exemple, mandat a fini en 2010, lui en 2008, il mourit. Lui en 2008, il démissionne. Lui en 2008, il a constaté qu'il n'a pas qu'à continuer. Donc, ma comblé vacances de 2008 à 2010. Ou bien ma renouvelé mandat. Donc, il était élu pour 2010. 2010, il voulait renouveler mandat. Mais texte n'a pas dit si mon arrive en 2010, je n'ai pas fait élection. 2011, m'a fait élection. 2012, m'a fait élection. M'vina fait 2013, mon nan élu, c'est 3 ans pour le faire. Parce que son vide qui crée, c'est pas en vacances. C'est élection, mon madame, mon nan fini, m'a renouvelé. Texte là, pas tranché la question du vide. Si gon vide, n'a qu'à on man. Li, de côté, li doumbe sa vacances là. Mais li prend vide là, comme vacances. Dans l'autre côté. Ouais, elle a défini durée mandat. Donc, ça va être en confusion qui mettait nous dans la situation côté ni là. Ou pas qu'on l'élection faite pour deux tiers Sénat. Est-ce que c'est renouvellement ou fait? Est-ce que c'est vacances ou comblé? Ou bien est-ce que c'est vide ou comblé? À partir de ce moment, le décret électoral en lui-même, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. À problème que nous avons là, lui permet de l'autre thèse que nous avons soutenu la LARIA, vienne défendable. C'est-à-dire, aller dans la Constitution qui est présentée sous décret électoral là? Mais la Constitution a fixé la règle principe du mandat de 6 ans. Mais qu'on y a ça pour poser problème en temps électoral et en constitutionnel, là, c'est un décret à vous joindre, voilà qu'elle quitte l'autre vide lui-même. Mm-hmm. Et là, les dispositions transitoires là? Son bail qui était doué depuis, et même j'avais conseil, et CEP, elle était douée permanent. Est-ce que je dis à là, il y a qu'à retourner avec elle là? Et dispositif transitoire? Non, article 288 là. Eh bien. La Constitution. Eh bien, qui ça a fait? Il prend au moins l'esprit du texte que il mettait à chaque fois dans le décret électoral. Ce n'est pas article là qu'il a appliqué. Mais c'est la disposition de la loi électorale qui pour permettre, un, de respecter la question élection chaque 2 ans, deux, pour combler temps électoral là, pour conformer à temps constitutionnel là. Mm-hmm. Et c'est dans ça, solution ça qui a porté à, que texte là lui-même, il y a une vide balle, il y a une insuffisance. Ok, si élection est faite à temps,
Jodia, nous va taper et non problème ça, c'est régulariser situation. Exact. Mais tout, si loi électorale là t'es dit très clairement, élection que m'a fait par exemple en 2015, m'a élu de sénateur pour me combler poste et sénateur que t'es parti telle année. Captodem là, avant bay nouvelle là, ou même qui souffrit douleur rhumatisme, ou même qui gen on Freddy cap manger sang, ou même qui souffrit ça que le refroidissement, ou gen douleur ça m'a cité là haut, eh bien gon remède dans l'aria qui bon en pile, qui travaille ou même qui gen douleur rhumatisme, qui gon zo cap manger chaque jour, ou pas ka supporter, eh bien depuis fin temps de sport ça konya, bay fini douleur fini pour konya là. Yo prepare deux bouteilles qui pour retirer douleur rhumatisme là dans santé ou qui pour zone encore suspendre fait mal. Eh bien, on va voir numéro téléphone ça pour les konya là pour acheter bouteille ça là, c'est deux bouteilles qui marchent ensemble qui bon pour maladie qui est le refroidissement. Attendez, refroidissement, mal vente, infection avec ça que les zo fait mal là, comment tout le monde connaît dans douleur rhumatisme. Eh bien, soit tout dem là ou gon famille ou même qui souffre maladie ça que les douleur rhumatisme, ça joue gon vente fait mal cap tourmenté ou même qui femme qui gagne infection vaginale, refroidissement, eh bien moment qu'on y a c'est moment pas oublié pour une guérison. On va bon numéro téléphone ça pour les acheter deux bouteilles ça qui marchent ensemble, les pas qu'à marcher qui te l'autre. Yo deux bouteilles liées, mais numéro téléphone ça pour prendre bouteille sport qu'on y a, nous on va parler avec quoi là. Relé dans 561 692 28 14. 561 692 28 14 ou même qu'a vivre dans Freddy ou même qu'a travaille dans Freddy suspend quitte Freddy à manger ou suspend prendre douleur et bien qu'on y a ce moment pas oublié pour bouteille ça devant porte la caillou qu'on y a là quel que soit côté rien dans le monde entier il y a vrai bouteille là pour suspend quitte Freddy manger sans retirer Freddy ça dans santé ou à deux bouteilles ça qui marcher ensemble pour plus d'informations relé dans 561 692 28 14 561 6, 9, 2, 2, 8, 1, 4. Merci en pile. 6 points qui te douleur, rhumatisme là, Freddy ça. 6 points manger santé. Et dans 61, 6, 92, 28, 14. Malé, merci.